sommes ici à la base navale de Toulon et nous avons mené toutes les évaluations embarquement maritime pour le Griffon. Dans un premier temps, nous avons travaillé avec l'équipage et le Mistral pour faire tous les embarquements pour la porte latérale. Et puis après, avec l'aide de la flottille amphibie, nous avons rejoint en mer le Dixmude et nous avons mené en mer toutes les opérations de transbordement maritime. Le but de ces évaluations, c'est pour valider les différentes configurations des plans de chargement sur les différents bateaux qui existent dans la marine. Pour moi, effectivement, c'est une découverte. Il faut quand même bien regarder le marin qui vous guide pour pouvoir embarquer dans les différents bateaux et faire attention aussi à l'environnement du véhicule et du bateau. Demain, le Griffon équipera l'armée de terre et sera amené peut-être à être engagé sur les opérations amphibies. Il est donc important pour nous, section technique de l'armée de terre, de nous assurer que le Griffon est apte à mener les opérations amphibies.